autorités administratives, services de sécurité, coordination régionale du RPG, ont compté la présence de tout le monde. Quelques pas de danse des militants du parti au pouvoir ont caractérisé cette attente. À 16h30, l'avion qui transporte le Premier ministre, Dr Ibrahima Kassori Fofana, se pose sur la piste. Il est accompagné de son épouse et plusieurs membres du gouvernement. Après la traditionnelle présentation, direction le centre-ville pour les salutations d'Izaz. D'abord, le Premier ministre et sa suite sont reçus dans la grande famille Serifla, puis c'est le grand imam et le sotikemo de la ville. De là, direction la maison des jeunes où la délégation de la primature est attendue. Après le discours de bienvenue du gouverneur, celui de la représentante des femmes, Kassori Fofana, dans son discours, a laissé entendre que lui et son gouvernement regrettaient les événements de la semaine passée. Les tristes et regrettables événements des dernières semaines n'ont pas été jolis à voir. Nous le regrettons. Le professeur me charge de vous dire qu'il compte sur vous pour observer la tolérance, qu'il compte sur vous pour ne pas prêter le flanc à ceux qui, en Guinée, cherchent à nuire à son bilan. Il a déroulé l'objectif de sa présence dans la région de Cancan, qui se situe dans le cadre du lancement des activités de l'ANIES. Le professeur Alpha Condé, entre autres initiatives, a entrepris de mettre en place l'Agence nationale d'inclusion sociale. Cette agence est une première en Afrique de l'Ouest. Elle est destinée à sortir la Guinée de la pauvreté absolue dans les 5 ans après aujourd'hui. Il n'y aura pas de pauvre en Guinée, de pauvre absolu, 5 ans après aujourd'hui, grâce au professeur Alpha Condé. Dans les villes les plus connues pour la pauvreté, nous commençons ici en Haute-Guinée, à Kérouané, par Kérouané. Parce que, Dieu merci, grâce à Dieu, Cancan se porte mieux que Kérouané en termes de pauvreté. Après Cancan et Kérouané, le chef du gouvernement a été reçu ce jeudi à Kouroussa. Ce vendredi, il sera l'hôte de la population de Dabola pour les mêmes activités.